Dans ce pays, une fracture. On la soigne, on la suture. Mais y'a toujours cette blessure d'une France qui sature. Et ni un patient dans un hôpital saturé. Elle souffre encore et c'est parti pour durer. On pense et on s'oublie, on pense et on oublie. Elle est sous perfusion, sous haute tension. Le désespoir toujours en inflation. On cultive toujours l'insécurité et la peur. Bien entendu, si on rajoute le bruit et l'odeur. Le français moyen n'a pas fini d'être fou, mais le peuple se soulève pour rester. Ça m'en touche une, sans bouger l'autre. 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 Sans bouger l'autre. Notre maison brûle et l'on regarde ailleurs. Et c'est toujours aussi vrai d'ailleurs. Lorsque Trump s'excède depuis sa Trump Tower. Lorsque s'enchaînent les pics de chaleur. Lorsque Bolsonaro fait briller l'Amazonie. Lorsque les glaciers fondent en panne d'Atagonie. Cri de douleur d'une planète à l'agonie. Et c'est une Suédoise de 16 ans et demi qui se veut son plus sérieux porte-parole. Alors que les drones s'affrontent toujours pour du pétrole. Toujours soumise aux lois du marché et de Coca-Cola. La vie sur Terre reste à l'image de Nicolas. Il faut marcher dessus, et du pied gauche. Il paraît que ça porte bonheur. Ça m'en touche une, sans bouger l'autre. 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 Ce qui peut paraître abracadabrantesque, abracadabrant mais surtout dantesque. C'est que ces constats d'il y a 20 ou 30 ans restent intacts. Figé dans notre temps, tant qu'il y aura des chefs pour chefer dans tous les états, dans tous leurs états. Tant qu'on appréciera plus le pain et le pâté que les limitations de vitesse. On aura le courage de ne pas avoir peur et de porter notre regard sur le monde de demain. La poussière qu'on a à la main. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. C'est loin mais c'est beau, espérons-le et voyons venir. Tu le disais, ça m'en touche une, sans bouger l'autre. Ça m'en touche une. Je l'autre.